Je pense que la pression a monté avant le match. Mais sinon, la pelouse est bonne, on joue une finale de Gambardella. Le seul truc à faire aujourd'hui, c'est se faire plaisir et bien évidemment ramener la victoire. Je sens le groupe très concentré et avec beaucoup d'envie. Nous, comme l'a dit le coach, nous on est sûr de nous et si on joue vraiment notre football, eh ben, il n'y aura pas de soucis. Quoi. Pas attendu, mais motivé. Quoi. Motivé, concentré, mais dedans, quoi. Vraiment dedans. Ben moi non, ça va, franchement pas de problème, je suis bien, d'habitude j'ai un peu de pression quand même dans les grands matchs, mais là je sais que c'est la finale, faut jouer, faut se prendre la tête, il n'y a plus de tour à pas, donc faut tout donner et puis la victoire au bout. Je veux dire, c'est un match comme tous les autres, que, voilà, on se prépare comme d'hab, on pense au match, on se concentre sur ce qu'on a à faire pendant le match, tout ça, puis voilà, quoi, on vit bien, on en profite surtout, et puis voilà quoi. Bah, individuellement d'abord, se préparer dans le match tranquillement, en pensant à ce qu'on va faire, au travail qu'on doit fournir pour l'équipe. Puis après, collectivement sur le terrain, essayer d'évacuer tout ça ensemble et se donner les derniers encouragements avant le match. On a toujours un peu la boule au ventre, mais bon, on va essayer de transformer cette pression en énergie pour vaincre les Lyonnais. Quoi. Voilà. Arriver sur le terrain, à mon avis, ça va passer et on va donner tout ce qu'on a en espérant la victoire au bout. M'étonne, tu connais l'enjeu là? Bien sûr, un gros enjeu et une première pour le club. Bien. Ouais. Je pense qu'à l'approche du match, ça va commencer à pas monter, mais sinon, je pense que ça va aller. Moi, ça va impeccable là. Ça roule là, ouais. Ça roule bien, bien, bien. On a plus de maturité qu'eux et on est plus solidaires qu'eux, ça c'est sûr et certain. Jouons sur ces forces-là. Ok? Allez, gars, bon match. Allez, les gars, on va faire tout ça ensemble. Allez, les gars, on s'y passe.
juste vous dire ce qui nous guette, c'est la dernière minute de match. Où on a eu, si je dois compter avec les buts, 8 ou 9 occasions nettes, ils n'ont eu aucune occasion. Et parce qu'à un moment, peut-être un petit peu, on en a mis 3, on en a mis 4, on se dit tiens, on va faire un petit peu plus, on les a tâtés peut-être un petit peu plus, parce que Narfa dit quelques mots, il a chambré, et hop, derrière on a failli être puni tout de suite. Et je vous dis que 4-1 à la mi-temps avec le but à la 45e chez eux, ça n'aurait pas été facile. Ce qui nous guette, c'est ça. Là, je peux vous dire que n'importe quel coach en face, là, il fait trembler les murs dans tous les sens. Donc là, je peux te dire qu'ils vont se faire remonter dans tous les sens. Donc soyez bien persuadés que ce n'est pas gagné. Vous avez eu un exemple il n'y a pas si longtemps, 3-0 au Milan-Liverpool, ça a fini, c'est Liverpool qui s'est imposé. Donc c'est pas pour vous faire peur, c'est vous faire prendre conscience que vous avez fait une mi-temps extraordinaire, qu'on est en train de toucher du doigt le but qu'on s'était fixé, que vous vous étiez fixé, et par péché d'orgueil, on pourrait laisser passer. C'est la Ligue des Champions, c'est la merde.